tangwe koki yo 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 tangwa ngoya ngoyo e koki papa Stefan bala mwange oye ye Deuxième numéro du jour avec Joël Kitenge. Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tangwe Koki. Nous sommes là pour vous informer, analyser l'actualité comme il se doit. Plus de 600 militaires commandos bien formés, Batamboli, Mukulalelo, Tomoni, Penzake, Fatia, Zanina, Mampinga, Balatikitoko, Mando, Kiyako, Sakana, Nayangote. Waouh! Kitoko, ya modèle, Wana. En dehors de ça, retenez encore que l'homme que nous appelons Denis Sassou Nguesso a tourné le dos na Kinshasa, a préféré Koyamba Kagame, et Kagame a latissé médaille pour le leadership na ya Kitoko, na ndenga zo travailler na carte Afrique Kitoko. Bande ko balandi. En dehors de ça, na lobela quelque moya sex trap ya before biselel bato balobi moi ebele. Moi si il y a Chiribé Okende, à Zalaki na TGI, mais qu'on a tiré tout naïmi tout nakuna. En dehors de ça, na lika kakutuna. Peuple congolais zo tout na eloko mako. Mata tapondu bako sans pis ça y était. Tout est anime. Donc dans notre pays, l'homme fort ou est retiré côté de la justice, c'est ça mata tapondu. Le peuple congolais réclame les procès mata tapondu, les procès Mukanga Alonso. To yeba vérité, nani a ibaki misolo ya l'état, nani a ibaki bozui, pebilei yabana ya Congo. Matata doit répondre à la justice. Oui, ce sont les professeurs qui ont publié un livre pour la cour constitutionnelle, ils ont rendu barré, ils ont anticonstitutionnel, atangi matata pe atangi gouverneur réhabilité na Tanganyika. Chers compatriotes, la cour constitutionnelle. Donc, on a un élément qui est calaté avec Joël, pour ça, l'analyse sur livre, il y a professeur Mampouya Malam. Ok? Merci. Vous aurez une émission spéciale, Makamwana, lundi, 13h, pour que vous ayez émission. Ok? Ne vous en faites pas. Tomani Makam. Tata, bonne. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon week-end, ma compatriote Nyonso Balandakabiso. Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso. Oui, avant de parler de Denis Sassou Nguesso, plus de 600 militaires na balabala, bali kosala ba physique na bango, mandoki pesa la physique. Marche d'endurance, ça s'appelle comme ça na kati ya armée. Et bayaki na ba équipement léger de guerre. Ce sont des équipements de guerre, on des équipements ya surveillance de routine. C'est l'équipement léger de guerre. Il y a des équipements lourds et des équipements légers, il y a guerre. Et c'est ce à quoi ils sont formés. La garde républicaine, comme une unité spécialisée, ils ne sont pas formés seulement pour protéger le président de la République et ses hôtes ou les membres de sa famille. C'est aussi une unité de guerre et de combat. Et nous connaissons dans beaucoup d'autres endroits où l'unité Moussous Ekenda, la garde républicaine est venue en renfort de ces unités et il a pu faire preuve. Il y a beaucoup d'efficacité sur terrain. Baza ba militaire, pourquoi ba militaire nyonso au baza na kati ya Congo. OK. Et baza des spécialisés par rapport ya unité na bango. Ce sont des commandos. Parmi eux, il y a des parachutistes, il y a des montards, il y a des artilleries lourdes, il y a toute discipline baza na kati na yango regroupée au sein d'une unité pour une mission spécifique. C'est ce qui fait que bango baza ba garde républicaine. Et les informations à notre possession, la marche d'Andiras a eu lieu aujourd'hui ici à Kinshasa, à Kolwezi, à Goma, à Lubumbashi. Et c'est dans quatre villes que la Akamine également. Donc dans l'Olomami. La marche d'Andiras a été faite dans cinq provinces au même moment, le même jour. Pour qu'on a qu'on présenté. Puisqu'il y a d'abord le lot des autres qui sont venus des académies il n'y a pas longtemps, Moussousso Bazalaki, et ça fait partie de leurs possibilités. Et du point de vue communicationnel et armé, et nous sommes en train d'adresser le message, et pas à Bato, Baosal va communiquer qui se retraite, de voir que l'armée, le Congo, le FRDC est prêt à toute éventualité. Nous ne craignons rien, qui que ce soit.
plus de 20 millions de dollars d'euros où l'Union européenne peut appeler sur la 21e, non, 31e brigade. 34e, je crois. 31e, il y a brigade d'intervention rapide de FARDC encore. Vous avez la nouvelle à madame? C'est bon quand même que c'est dans le cadre de la coopération de l'Union européenne. C'est dans le cadre de la coopération entre États, entre le Congo et l'Union européenne comme partenaire, qu'il faut le dire quand on parle de l'Union européenne. On va, la capitale de l'Union européenne, c'est Bruxelles, c'est la Belgique. Nous avons déjà des relations na Bango qui datent et qui y a. Mais c'est aussi après que Tozomé la Bango na soutien, il y en a eu 21 millions aussi que l'Union européenne avait disposé au Rwanda. Et comment qu'il y a le déséquilibre, il y a deux poids, deux mesures, vous disposez de l'aide et d'accompagnement pour un État qui agresse, et celui qui a agressé, aucun accompagnement pour qu'il lutte efficacement contre les insurgés, contre les terroristes qui viennent des deux pays voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous saluons le geste qui dit reste et utile dans l'accompagnement et à lutte contre l'agression rwandaise, ouais. C'est vraiment important. Très bien. Denis Sassou Nguesso tourne le dos à la République démocratique du Congo, toi Zanin. Tu m'as dit avec Kagame, la soirée, Mongo Kitoko. Kagame a tissé une médaille à leadership, mais ma casse, Nakati Afrique, et en dehors de ça. Et donc, partenariat là-bas, c'est bon. Nous sommes mis à l'écart. Non, mais écoutez, mis à l'écart, je ne vois pas. Qu'est-ce que nous, le Congo, on gagne de Brazzaville? C'est ça, il faut se poser d'abord la question de l'intérêt qu'il y a entre nations. Tous les Bango, les voisins, tous les gagnants, tous les gagnants, tous les gagnants, qu'est-ce que Kinshasa à Vivakassi s'est fermé à Brazzaville? Il y a pénurie à quoi en Kinshasa qui vient de Brazzaville? Qu'est-ce que nous consommons ici qui vient de Brazzaville? Qu'est-ce que nous utilisons dans cette ville que nous dépendons de Brazzaville? Kende Beach, on a combien de denrées, les biens et vivres qui quittent Kinshasa pour traverser d'être vendus à Brazzaville? Et ce que vous avez dit, il y a des lois qui sont dans le Congo, dans les Manyanga. Il y a des Congo, les denrées qui traversent la route à Ngambukuna, qui sont dans Brazzaville. Et ce que vous avez dit, à Zamba, puisqu'ils ont encore une frontière qui ramène pour aller à l'Équateur. Alors, qu'est-ce que nous mangeons de Brazzaville? Qu'est-ce que nous commerçons de Brazzaville? Qu'est-ce qu'on gagne de notre relation avec Sassou Nguesso? Il représente quoi pour nous, à part politique de bon voisinage, dans la mesure où, mais naturellement, on gagne quoi? Qu'est-ce que le Congo est sans Brazzaville et qu'est-ce que le Congo est avec Brazzaville? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Donc, il ne faut pas que quelqu'un s'enorgueillisse et tout ça. Mais néanmoins, on a à quoi tirer attention des... Nous connaissons la politique des mono-ethniques de Tutsis qu'ils sont en train d'employer. C'est cette image où il veut psychologiquement passer au Tobengaba message indirect à la population, à l'État congolais, la théorie de l'encerclage. Encerclage, c'est une méthode scientifique mingi emploi kango pour na basi ya zemu za na col fragile ozeme kangakate bimarabimaka. Une fois koti azana zemu que le médecin constate, on peut faire l'encerclage du col pour renforcer que la grossesse ne sorte pas avant le temps, il y a accouché dans la maternité. Et ça peut se faire aussi, donc c'est une force de créer un bouclier, de protéger autour d'eux et garder quelque chose. Alors, Kagame renforce sa coopération militaire avec Centrafrique. Il a plus de 1100 hommes Oyo Bazali pour garder le président Archange Touadéra. Il a 2200 hommes qu'il a envoyés dans la MINUSMA. Et les opérateurs économiques rwandais sont dans l'influence en train de prendre la main sur la gestion de Centrafrique. Bientôt, ils sont en train de vouloir de se tarer au Bénin. Kagame s'est rapproché de l'Angola dans la même vision et idéal. Il a commencé par chercher des terres à Brazzaville et pour rapprocher. L'image qu'il tend à avancer et par la République démocratique du Congo, c'est vous dire que je vous ai encerclé. C'est une fumée, c'est la vente du vent. C'est la vente du vent. Viens à l'intérieur, pénètre, tu vas nous encercler partout. Puisqu'on est à mesure de se battre avec Brazzaville, de se battre avec Angola, de se battre avec n'importe qui nous entoure. Et nous nous entretions jusqu'à ce que le meilleur gagne. On n'a pas peur. Il ne faut pas que les gens... C'est ça l'objectif de Kagame. Vous montrer que je suis à Brazzaville, je suis en Centrafrique, je suis en Angola... L'Ouganda, je suis avec l'Ouganda, Tangwazosa, l'Ouganda maintenant avec le père, c'est l'hypocrisie sur collaboration.
ne sachant pas dompter les pères, il rapprochait Muhoozi et l'Ouganda, Paul Kagame. D'abord, Yoweri Museveni, il va regretter bientôt. Puisque l'Ouganda est dans le coulimataire des préparations rwandaises pour les changements du régime en Ouganda. Et Kagame est en train de préparer, et à ce titre, connaissant que Paul Kagame et Yoweri Museveni à Balande Gonaïa Mwasi, et il y a un évêque qui a vide du pouvoir, un drogué, qu'on a Muhoozi. Alors à ce titre, Kagame est en train de tout faire pour préparer son évêque à remplacement de Yoweri Museveni. Mais attention qu'il n'y a pas un régime éternel. Même si tu es Mugabe, même si tu es qui que ce soit, l'âge et le temps étaient toujours un ennemi. Nul ne reste président éternel et à vie. Kagame étant déjà dans la septantaine. C'est l'aspect physique et morphologique des Rwandais. Mais c'est un vieillard qui souffre de timère et qui compte ce jour au fil et à mesure qu'il est en train de gérer, ce jour sont comptés. Si ce n'est pas le changement du régime au Rwanda, mais la mort est aussi nécessaire. Donc, dans cette idéologie, Medawe et Apesi, en qualité de quoi? C'est du poudre aux yeux, avoir pédé, mi balé, bakoutani, ils se disent les mots et tout ça. Il le donne médaille comme qui? Comme président, c'était la question. Comme il y a Rwanda, président de l'Union africaine, président du monde, président des États-Unis, le médaille. Alors, le leadership, beaucoup, il y a bien, bon, après, c'est Afrique. Oui, leadership d'après le Rwanda, c'est la dictature. Bon, vous comprenez qu'à Brazzaville, tout est centralisé autour du président fondateur qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. La démocratie, c'est Denis, sa famille et tous ses dépendants. Même si n'a qu'à famille, à famille, il y a Sassou Nguesso. N'oublie pas. N'oublie pas, parce que si lui rêve, Nakati Andakwa Sassou Nguesso, nous avons aussi nos sangs. Dans la maison et dans la famille, même s'il faudrait qu'un des Nguesso reprenne le pouvoir, la plupart des Nguesso, 80% de tous les Nguesso, ont les racines ici chez nous. Soki Yazako s'est vanté pour avoir le fils de Museveni comme neveu. Mais nous, on a combien de neveux dans le palais présidentiel de Brazzaville? Et ses neveux sont députés, ses neveux sont influents, ses neveux sont dans l'affiche. On a des nièces. Je n'ai pas besoin de les citer, tout le monde connaît. On a des nièces, dans ces palais, on en a combien? Et s'il y aura changement du régime, s'il y aura un Nguesso qui va reprendre, donc ça sera un Nguesso neveu. Et ça va tourner toujours dans l'avantage de qui? Il sera entre ses oncles et un profiteur. Tout ça, Sassou doit mettre ça dans sa tête. Nous sommes sa belle famille, il y a maman Antoinette qui nous regarde. Mais malgré ça, il a tourné le dos, la RDC. Mais est-ce qu'elle sont... Quand il nous regardait en face, il a apporté quoi? C'est ça la question. C'est ça, tout le monde a dit, il a l'ingé de sous sur le cabane, mais tant qu'il a l'ingé, à même un, deux ou zéro. Et ça va tout le monde sous, aux anaïs, aux yeux et l'autre côté. Aux anaïs, aux anaïs, aux anaïs, mais la différence entre aux anaïs et aux cabananaïs, c'est quoi? C'est ça la question que je me pose. Puisqu'en étant avec lui, on gagne quoi? Quand nous ne serons plus avec lui, nous perdons quoi? C'est la même chose. Être ou le manquer, c'est la même chose. Tu as gagné dans Brazzaville. Oh, papa. Ah, bah, faut débat. Bah, tiens, la médaille, moi, quoi, sans effet. Bah, non-événement. C'est un non-événement. Moi, ce que je trouve que c'est l'événement important pour moi, c'est Brazzaville. Qu'il se laisse dompter et diriger par un coutumier. Donc, à Brazzaville, personne n'est intelligent. Personne ne peut voir l'État, personne ne peut imaginer mieux. Sassou, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui seul. À quand ils vont se débarrasser de ces dictateurs? De quand les Congolais d'en face vont se débarrasser de Sassou? C'est la question que je me pose, moi. De tout, ça ne m'intéresse pas. Si ils trouvent que Sassou, Paul Biya et les autres sont bons pour eux, tant pis pour eux. Chez nous, on ne reste pas éternel. On te traque, on va te faire partir. Alors. Bangité. Na bangana. Toko bang le lokote na tunyo le lo na kisasa tolia kanini ya braza. To na tina na braza na nini? Na nini? Posa songe so fait notre force en quoi? Attendenge zala ki to moni Burundi atindi ba troupe pe troupe burundaise ba se distinguer contre toute autre troupe. Na le cadre ici, il a même décidé d'envoyer ata 3 militaires ya Brazzaville pour appuyer pendant que le Congo est en guerre. Et bon, ça le magana politique à bon voisinage. Qu'est-ce que nous gagnons de lui? Rien du tout. Très bien. To zongi na kin, to kyo na justice, affaire meurtre, to assassinat, Liwa Yachirebe Okende, sa femme était devant le TGI Gombe.
Alors, devant le parquet, près des TGI Gombe, au regard des informations à notre possession, le magistrat s'est déplacé. Nandako, il y a résidence à Moway, c'est là la maison qu'on l'a dit attendre. Et là, je dis bien, ok, le magistrat a décidé comme ça, je ne peux pas reprocher son travail, mais je trouve que c'était un peu trop. Le magistrat n'aurait dit pas faire ça. Eh oui, pourquoi ne pas l'inviter au parquet, va attendre Kakuna au parquet. Puisque elle se déplace déjà à Kendagames, à Kendegimes. Alors pourquoi qu'elle parquet déjà impossible. Puisque le parquet qu'on a des bakoyes, banana ou magi mobile na, na messe, bah ok remercier Nzambe pour mobile na kufi. Puisque c'est une messe d'action de grâce. Quelqu'un qui sait déjà aller dire merci le Seigneur pour mon mari est mort. Et pourquoi il ne peut pas aller au parquet là on peut enquêter sur la mort de son mari. Pourquoi lui faire tant d'honneur. C'est une femme qui n'a pas respecté la mémoire de son mari. Là, je lui dis, tant que tu étais là, c'est de l'insulte à l'endroit de la mémoire de mon frère. Moubali Nassé, à Kotinan Mabélé, tu es un certain monsieur qui vient de la Zambie, te fait lever pour aller dans un culte d'une messe d'action de grâce. Ça a quel sens? Donc, pour nous, Africains, tradition n'abuse qui bantou, et coutume, et elle sous ce sikate à moi sur la couffe de Moubali. Puisqu'on est dans la capitale, puisque tout ça dans la ville, c'est ça? C'est quoi cette bêtise? Le magistrat allait l'appeler. Pour qu'il aille s'expliquer. Là, maintenant, Zangi Makassi, là, maintenant, il est affecté. Et à la messe, on l'a vu tout bonnement à l'aise. Deux lectures, non, Yangon? Première lecture. On l'a attendu sur PV pour la plainte au Bango Bakomaki, au Bapesaki Mandana Laura Onimba, comme avocat. Il devait confirmer d'abord sa plainte. Subsidiairement, d'après les sources, ce n'est même pas nous le parquet, la famille là qui ont témoigné. D'après les sources et les articles de la presse proche de Katumbi, on dit dire subsidiairement autour des questions, il y a les heures qui ont précédé la disparition de son mari et le jour où la situation est haute, le parquet cherche à savoir un peu plus. Puisque du point de vue des enquêtes, tout à la rangouata naba, Mikili Moussousou. Ce qui mobile à Bungi dans les circonstances, c'est pareil. Parmi les suspects, l'un des Kouepo a toujours été considéré comme suspect. Puisque pas n'a beaucoup et Baba Elema et Belé. Ce qui moi si HBA n'a pas aidé les enquêtes, était-il et l'autre n'a tout remonté la pente, arrivé aux personnes qui ont été condamnées pour l'assassinat de Floribert Chebé et Fidel Bazana. Moi si, qui discutait avec son mari, qui mobile à la ka qui écoutait à Zokud. Et tant que comme il y a un texte qui est en train de se faire, et c'est ce qui a constitué les premiers éléments d'avoir une précision où était Chebea le matin et où il était allé. Est-ce qu'il y avait eu le rendez-vous? C'est la femme. Oui, moi, femme, c'est Chebea. Mais oui, cette femme. La facilité, quand vraiment, ma caméra. Exactement, moi, c'est la chérie, même pour aussi faciliter. Non? Est-ce qu'il y a un bandage qui est là? C'est ça le problème. On le saura puisque Bissotozo a instruit l'été. Enquête Bissotozo a accès à l'enquête au regard et à Mibé, enquête est secrète. Bah donné Bissotozo analyse ça, au Bango Moko Bachomboki là-bas côté en public. C'est ce que LR Presse tweet et analyse. Nous essayons de nous projeter rationnellement sur les éléments qu'elle met en public. Dans ce contexte, nous croyons que la réaction qui me tique moi aussi, c'est un tweet d'un proche de celui-ci, je crois. Pascal Moulegua a tweeté, et puis Boudjakera Chamala a tweeté aussi, disant qu'ensemble, condamne la conférence de presse du procureur général près la Cour de cassation, rejette et réfute. Alors, là, parce déjà, que le procureur général près la Cour de cassation à lobby, ça l'est. Vous comprenez ma condamnation. C'est là où je dis agitation à Bango. C'est ce qui continue à enfoncer que Chérubin a été tué par les gens d'ensemble. Dans l'hypothèse. Puisque je ne vois pas Malobani ni procureur Lobani Yamabe dans ça. Procureur pas à police scientifique. C'est lui qui dirige cette action comme en plénitude d'action publique. Mais c'est une unité spécialisée à police criminelle, police scientifique, j'allais dire. Basali analyse na bango ya balistique, analysant l'orifice d'entrée, l'orifice de sortie, en analysant les millimètres, la position du tueur et de tout. Première préconisation, il préconise que
chérubin aurait avoir été tué par l'arme qui était à côté de lui. Ça aussi, c'est un élément aussi précisant. Chauffeur garde du corps à Lubaki, à Bombaki Mungouki Nenasea, Yakit. Quand la police a enquêté, on trouve que chérubin était juste à côté et l'arme à côté de lui. Mmh. Et comment qu'à côté de lui, Yemoko, la question serait, chérubin, s'est-il donné la mort avec l'arme de son garde du corps? C'est une question aussi. Est-ce que le garde du corps a-t-il tué chérubin? Ou les prétendus hommes-là, en venant, se sont réservés à Kosala et la Mundouki Nabango, ont pu faire usage à Mundouki qui était dans le véhicule? Dans ces questions pareilles, quand le procureur donne les premiers éléments de conclusion, ça les gêne en quoi? Et il demande à la justice de se dessaisir des enquêtes en attendant une instance. Comme qui? Puisque ici, Baza partie prenante au procès. Ils ne se sont pas constitués partie civile en déposant une plainte. La famille de Chérubin Okende, na plainte à Laurent, venait de s'attaquer à un inconnu par leur plainte. Quoique plainte ça contre l'inconnu, ceci leur ouvre une porte comme partie civile. Na Katia dossier, mais quelle est la part d'ensemble? Baza partie nini, puisque c'est un procès pénal. Baza partie nini par rapport au procès. Et ils alimentent le débat. Bon, ils alimentent le débat comme qui? C'est un procès ayant une famille touchée et une victime très connue et la famille de victime Bazawana, dont le parti politique ne s'est pas constitué parti victime. Et vous dénoncez à travers la presse. Allez réquiser la justice. Et soyoka va réquiser justice. Parce que cette instance, on est un banquetaire. Par exemple, na poto na France, basan un système ya ba juge d'instruction. Prenez un exemple d'un seul dossier que je connais au moins aussi. C'est lorsque la France avait désigné le juge Briguer pour na enquêter sur l'affaire y assassinat ya Juvenal Abiarimana et les éléments déclenchaient il y a génocide rwandais, lequel rapport est incriminé qu'à peu près 26 autorités rwandaises, dont Paul Kagame, Bamushikiwa, James Kabarebe et beaucoup d'autres autorités qui étaient poursuivies, citées dans les rapports d'assassinat de Juvenal Habyarimana. Alors, on peut envoyer un juge d'instruction. Celui-ci n'a qu'un moyen de réunir les éléments d'après lui et de les remettre à un organe de décision qui va juger. Maintenant, quelle instance qui va juger? Ces experts, un expert au regard de la loi, expert il y a monde entier, ne donne qu'un avis d'expertise. Et c'est tout point barre. C'est à la justice du pays. Exactement. D'agir. Mais Nathan Bakoubaza Kolouba, ils veulent quoi? Que les tripés Paris, les tripés Lille ou Toulouse viennent s'installer ici, là-bas, juge à tribunal, là-bas, greffier, ou tripés Sud-Afrique. Non, mais eux sont allés même plus loin pour. Ou TGI américain, ou un tribunal de grande instance de Grande-Bretagne viennent faire. L'usage et l'œuvre, maintenant, du point de vue à espace géographique, la compétence matérielle et pénale de cette instance, et que vous allez la définir par quoi? Voilà. Et ces gens-là vont répondre devant cette instance en vertu de quelle loi, de quelle disposition, même du principe du droit, du droit pénal international, du droit pénal comparé. Comment? Alors, ceux qui besoin comprendre, arrêtez-vous. On peut être politicien, mais on ne comprend pas tout le domaine de la science, tout le domaine de la vie. Ayez aussi l'humilité de vous montrer limité dans un domaine dont vous n'avez pas la maîtrise. Vous risquerez d'être tous des abrutis comme les Zambiens. Les Zambiens sont tous abrutis. Un Zambien. Le Zambien. Voilà, je ne parle pas de. Oui, j'ai compris. Ah, ok, nous avons compris. Ça, c'est ce qui est très important. Namakamonyo soit né à justice. Justice, tu vends les mouké place one. Tozana katia koloka ba dossier ba enquête. Je m'excuse ceux qui n'ont réunir enquête nyonso na ko fongle leur dossier. Mais j'espère que je peux t'associer aussi le lundi pour aussi sa enquête na biso. Il y a un professeur qu'on appelle Mampouya, tu connais non? Je le connais, c'est un professeur du DFCC. Mampouya. Professeur à droit public, asa professeur FCC parti na asa président d'un parti politique d'abord. C'est ça aussi na kati na mbusa ba makambo loba. Tika na
Ce qui est l'article, Peter Tchan a publié l'article. Certes, il est journaliste. Mais la rationalité et l'objectivité scientifique cherchent à comprendre la nature et la quintessence scientifique par rapport à un lien d'engagement. C'est comme professeur Bouchard. À comment livrer la révision constitutionnelle. Entre temps, secrétaire général du PPRD, parti au pouvoir. Rationalité. Professeur Mampouya est membre du FCC. Il est président d'un parti politique. Siège n'angoisse à la en face à Kaouka Abate Kakamaboke. Merci. Et place où on a moi immeuble n'a rien achevé. Tu le leçon qui 15 ans immeuble n'est-ce pas là? Place à tiens bureau n'aie. Il a publié un livre avec tous les actes que pose la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont anticonstitutionnels. Attendez, Maria Belé. Attendez, Maria. Madame Julie. Oya Tanganyika. Puis attendez. Affaire Matata, dengue ba zongisan sous la Cour constitutionnelle. C'est un arrêt anticonstitutionnel. Il a dit donné Kamouleta. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Matata nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que bref, avons dit que nous avons dit professeur Azalaka déjà ministre de la Justice sous Mobutu. Il a été arrêté pour détournement. Oui. Et Lelo, livre naïe. Azalat est sénateur, c'est en 2006. Livre naïe, Ezolinga est sauvé un des détourneurs dans le dossier de Gangalonzo. Maintenant, tu as pour Nubasa Mbisaïté. Dans le BIA, donc, le détourneur entre dans le Bango. On est en solidarité, non? Dans le livre. Nous avons planté des corps, nous avons la chimie. Or, nous avons la nîmes. Nous avons planté des corps. Beaucoup de sang en anglais. Si quoi, nous avons un peu de sang, nous avons un sang. Il est aussi là, nous avons un peu de sang, nous avons un peu de sang, mais nous avons un peu de sang. Nous avons un peu de sang, comme nous avons un peu de sang. Non, tu sautes vite. Et Sambo a été juge. Bien sûr. À la Cour constitutionnelle. Et il est nommé par le président de la République, conseiller au Conseil d'État. Ça, juge dans le Conseil d'État actuellement, nommé par le président de la République. Il est doyen de la faculté de droit à l'INIKI. Et c'est Bouchaba qui a fait de lui, qui l'a aidé à le façonner à devenir professeur, puisqu'il n'a jamais distingué. Ah, bien sûr. Mais peuple, là-bas, c'est un avocat à l'onze. Non, il y a rien de bon. Le système est un peu plus grand. Si vous avez un peu plus grand, vous avez un peu plus grand. Vous avez un peu combattre la Cour constitutionnelle. Mais vous avez un peu plus grand. Vous avez un peu plus grand. Non, Kalouba, c'est Kalouba, ce qui est un pays moko. Un pays moko honnête et cohérent. C'est une personne qu'on doit lui retirer son diplôme. Il n'est pas apte d'enseigner aux nos enfants. Il est incorrect, il est prohibé et immoralement dégoûtant. Dédonné Kaloub. Pour avoir vendu un arrêt et il fait la honte de sa dignité et de ce qu'il représente. À sa place, j'aurais dit mes terres qui d'ouvrir sa bouche et parler. Mais il n'a pas parlé. Il parle par Laurent Onimba. Laurent Onimba est cordon de son cabinet. Vous ne comprenez pas, j'ai toujours dit cette théorie. Il était le juge avocat. Le juge avocat. Bien sûr. Il y a juge Koto Matata. L'avocat qui défend Matata sur le cordon de son cabinet, donc sur son propre cabinet. Et c'est lui qui associe Nyabirungu dans les dossiers pour que couvrir Batiami sur le cabinet n'a été. C'est lui qui a orchestré tous ces débats que vous voyez ici dans la conscience de Kalouba. Parler encore, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, il va s'expliquer devant les étudiants comment avec son arrogance là, hors norme. Ceux qui tuent ces pays, ce sont les professeurs. Ce sont nos professeurs, puisque la plupart d'entre eux ont été ministres, directeurs de cabinet, bureaux de recherche. C'est la plupart des postes se sont tés. Et quand ils sont là au poste,
na professeur Oyaka na auditoire Bozoyo Kamael, c'est comme on a parlé des histoires d'Aner. Partout là où ils existent, c'est ton professeur. Même dans la magistrature, savez-vous que professeur et ça, vous l'appelez professeur? Oui, il est professeur de droit constitutionnel. Mais de carrière qui? Il a été magistrat toute sa vie, magistrat de carrière. Et ça, magistrat de carrière. À nos mains, on n'a pas embatté. En tout cas, Azala pour procurer Nagombeawa, tout ça, c'est un magistrat, toute sa vie, il est magistrat. Alors, quand vous avez dans le corps de la magistrature des professeurs ou des restes, des avocats, Nyabirum, c'est un avocat, et des professeurs, mais quand devant l'argent, il se comporte à de minables scientifiques affamés, et vous vous dites maintenant, quelle est la différence entre nous, qui ne sommes pas professeurs, et ceux qui prétendument ont le monopole de connaissances? Aspect Moussous. J'ai honte de considérer les deux bilokoana, puisque tout le temps qui est en cours, hein. Na cour haute bandana depuis la première année tout ça recherche scientifique. Est-ce que ce que tu as lu article là na mono bilokoana balobi pour na professeur Mampuya? On peut appeler ça livre? Hein? C'est un livre. Il y a trois chapitres. Alors, non, si qu'on a lingina tout naël. Quelle est la différence entre un article scientifique et un livre? Parce qu'un article scientifique peut comporter même 5 chapitres, même 15. Et vous fondez une réflexion. Quelle est la différence entre une revue scientifique, un article scientifique, un livre? Quelle est la différence entre un commentaire doctrinal basé sur un ou deux articles, seulement comme commentaire, une tribune de réflexion? Si c'est ça, livre, et je dis, je me demande si mes enfants qui n'ont pas encore l'âge de terminer les études ont la chance dans ce pays, Seigneur Jésus-Christ, d'être de vrais diplômés de scientifiques. Toi, analysez à Remoko. Non, tu recoutes la barre après. Non. Simple élément. Est-ce qu'il y a, a-t-il eu à s'informer pour un dossier à Tanganyika? Savait-il qu'est-ce que le droit réserve quant au droit de défense, le principe du contradictoire? Est-ce que a-t-il eu des éléments pour se renseigner ce que Mme Julie était à Kinshasa dans une mission de service et une procédure se déclenche à Tanganyika et cette procédure va coucher, n'est-ce pas, déboucher à une destitution? À une destitution. Mes chers compatriotes, là, je trouve que le professeur a un problème. Puisque je le vois souvent boitier avec la canne. Est-ce que c'est le problème seulement des pieds ou le professeur Mampuya maintenant un problème de cerveau? C'est pas possible. Puisqu'il boit avec une canne. C'est là que Mampuya et Goya lundi bien. Mais oh, qui... Non, c'est ça que je dis. C'est la honte. Depuis le jour où on a compris que on a compris qu'un professeur a un mutu. Jamais l'attitude de Zalako, professeur, on dirait sommet du savoir, est leur côté. Et il n'y a plus un professeur qui m'impressionne dans ce pays. Ah bon? Azate! Quand vous vous ramassez, vous vous racontez avec autour d'un verre. Rien du tout. Deuxième élément, Mampuy est politicien. Il était membre et un peu. Actuellement, parmi les cadres fondateurs du FCC, il était Mampuy. Et vous savez aujourd'hui qu'il est sénateur? D'après mes sources. Et il n'est pas de liste de l'Union Sacrée, il est au FCC. Oui, il est du FCC. Et il est sénateur du FCC. Maintenant, cette lecture des politiques peut avoir quel cadre? Alors que le FCC s'attaque à la Cour. Et son livre là, à quel sens? Si ce n'est pas un message politique. Voilà là où la science est ruinée. Quand on est face, au lieu de réfléchir avec sa tête, on réfléchit qu'est-ce que je gagne dans ça. Au lieu de réfléchir avec sa tête, on réfléchit combien je toucherai pour dire ça. Et on prête son savoir, sa notoriété pour de vilaines, maudites sommes de sauver un camp politique. Professeur Mampuya n'est pas un modèle de professeur dans ce pays, ni un modèle d'aucun étudiant dans ce pays. C'est bon. On a bien lundi. Zambé na bon monde. Yoka. Bisserie, sexta. Ah, vie à son endurance, beaucoup n'a jamais batté. Ah, bah, jeune fille, nous sommes comme ça, bah, vie.
Tu as un garçon mystique. Il y a un peu de fille. Il y a un téléphone de Minene Milaï. Il y a un iPhone 26 Pro Max. Et ça, quoi? iPhone 26 Pro Max. Peut-être pas encore, mais ça arrivera un jour. Parce que quand on a mis les bazos, ça m'a mandagé. Donc, ma petite à vieille, ma petite à mi balé, vieille mon bête. Eh, vieille, bon, ça, moi. Mais c'est là les masses à la rwandaise, grand masse et nanem, grande sœur masse à Ngobila. Parce que Ngobila peut masse à rwandaise, mais c'est là les masses à rwandaise des pères et des mères. Parce que à ton d'agir rwandaise, je t'ai dit, tout le monde connaît. Ngobila. Na lobi na yo jantini Ngobila masi na ye rwandaise. Masi ya Ngobila. Masi ya biselele même père, même mère. Na lo bana TV, bora ke pembe. Ba rwandaise. Je te dis Ngobila épousé une rwandaise, biselele masi na ye rwandaise. Ngobila sa gouverneur a tika biloko. Mais c'est sa femme qui est rwandaise. Abi mana en public à la Kisateko. Ngobila est outil. La lobina est outil. Moi je parle de Bissele, toi tu parles de Ngobila. Mais là, qui s'est un allié de famille, il y a moi si Ngobila, il y a moi si Anani. Tant que tu es en cercle, il y a Barouande. Barouande, il y a un peu de beau frère, il y a Ngobila. Ma famille, une belle famille Ngobila, il y a un Rwanda. C'est ce que tu as dit, ma belle. Belle famille Ngobila, na Rwanda. Belle famille Bissele, na Rwanda. C'est bien qu'on connaisse ça. Ozolo ba ngamba ba sector pour moi développer za te papa po yo balanga ba konga balandanga ba mame bele ba mesara bala ba na pe miki ba kolanda moi ko kota na bosote za te c'est pour qu'on comprenne que ce sont des pourris qui pourrissaient le cabinet de Félix Tshisekedi. Ah oui, c'est un pourri. Et vous voyez bien dans l'image que c'est la mère de Bisselel qui filme. Lui-même. Est-ce que vous sentez que mutua nezana nom ezana sika? Quand filmer sentiment. Bon, sans qu'elle ait confirmé sentiment, c'est sa vie privée. Mais ma question est pourquoi la zone qui est rwandaise. Ah, quand on est rwandaise, c'est. Sans qu'elle soit rwandaise, quand la zone est sur Kigali, qui est rwandaise, nous sommes mis pour bango balan inceste. Au coup mana yaya à moi, c'est au coup mana leki à moi, c'est na bangonyo sur zala inceste. Mais on a zobi mana bandumba mi balé. Mais c'est ça que je vous dis. Voilà ton moni, voilà ton moni, voilà ton moni, voilà ton moni, bah congolaise. Mais moi, c'est na rwandaise. Mais moi, je n'ai pas apparenté à Nani, à Yande Gwakizaro. Je comprends rien. Papa, l'autorité la biso congolaise est belle, la Barouande, la Bandaku, la Bango. C'est pourquoi on n'arrive pas à convaincre Babilo Msousou, la Barouande, puisque nous les avons dans nos maisons. C'est aussi un élément. Eh, yo mola Rwandais, quoi, conseil Mbal Nevi, la Kisa, c'est Zarandeni. Yewana na godem poi mabe abe banana ne mbug mabe lelo ba komi kuto tire na jekoko ba uso we ba zo we la ni na jekoko mais makani si rwandaise na zo pesa chaque jour na buto zo ambrier muto ngobila ce n'est pas possible mama ya bato va dire kimia te moi si no so zalaka conseil amba na ene to za boye mais ce que ya za muto rwanda ko pesa conseil ni kamato rikongo rikamato jekoko rungora ye tia ye sara ye boye. Et c'est ça qu'il va te redire. Je Ngobila Sara, regarde, crie mon péto, récris chassa, résistoire. Et c'est ça qu'il va lui dire en Ngobila. Et conséquence, il vient là faire ce qu'il peut faire. Mm-hmm. Bah, député à Kinshasa, de la Sengi Bakinoa, va sanctionner député provincial, Nyoso Kobana na Godempoy. Godempoy, il est loin de Bimayan, qui est en train de sauver Kinita. Alors, il a agi en Ngobila. À côté de Kopi, en Ngobila. Bah, lié, bah, Nyongi ville à Kinshasa, na Jekoko. Na godempoy na bango nyoso skoti ali 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 je koko ba be banini ba je koko na ngobila n'y a pas un bon messie entre les deux le papa nga na mtu ay depes na soutenir je koko te oh na soutenir pour les banda bon mauvais casting mais pour na ngobila ba député provinciaux nyoso de bazar responsable toujours vivre na ki Lomé Ngobila, mais je suis Ngobila, qui est encore Ngobila, comme il y a un député provincial. Et je demande au Kinoa de sanctionner tous les députés provinciaux basés en fonction, basés en Samoa, Tamoko, en Assemblée provinciale. Non, il dépèse. Il dépèse, vous avez 12 gouna. 12 gouna, soit il dépèse, mais quand vous votez, tant que vous êtes côté dans la législative, vous avez. Eh, il dépèse, vous avez un peu de temps. Dans la législative, vous avez un peu de décembre.
ba député provincial nyoso quarantaine bazana kisasa bo voter muto ta moko te na 24 communes bo voter ba toyi DPS yasika ba to parti mususu na yasika ba nyoso o ba kota ki likita na ngobila pour ako sala kisasa bongo bazwa sanction ba lapa. Des messages angon. C'est le seul message qu'il y a. Est-ce que vous voyez que John Kabe Yantumbaza, candidat député national de la ville, il y a Kananga? John Kabe ya. John Kabe ya. Oui, le gouverneur. Tumba. Oui. Aza, na liste ya IDPS. Na landi liste na mi ya IDPS, na yoke moute ma passe. Et il est candidat député national de bon. La ville ya Kananga. Ngai, na IDPS. Conflit na hiérarchie. Oui. Hein. Mokonzi Kabuya est libre de faire ce qu'il veut. Nzamba yebi la suite. Quelqu'un qui a détruit la province comme ça. Naza Kananga, moi na quartier hôpital, moi na kusanga bantu. Je suis non loin de Tibangelo. Je regarde la caméra et je dis à tous les Kananga malanjo anjing. Jitunga kajene jenzu jiji moto. Amba ime ya bun. Bwa John Tumba kahichito. Mais ne votez pas. John c'est Tumba, au Kasaï central, député candidat député national na Kananga. Il ne va pas le voter. Na ville ya Kananga. Il ne doit pas le voter. Eh, nous sommes là John Tumba. Nous je baloa. Il ne doit pas le voter. Bo pune John Tumba, vous avez koloka. Et bien là, il Kananga. A détruit le Kasaï central. Kananga, c'est chez nous. On a la notoriété. Kaka ndenge torobi bo John Aleli na mno wambuka. Ndenge toza bo John. Te foto sa ya John Kampala. Et si le beza de la zaba zao kufa, ta torobi sou ta kufi deja. A bo yuko le sakana, nga bo yuko bongi sakana. Et d'ailleurs, il a en train de propager la mauvaise nouvelle. Oui. Quand on était à Kananga, nous avons parlé seulement pour lui rançonner. Et quand il nous avait demandé, nous lui avons demandé 10 000 dollars. Après, si biso 5 000 de Tosilika, c'est pourquoi nous sommes venus vers la campagne contre lui. Non, moi je voudrais vivre à John Kabeya quand il était juste un chef agent à Wanaonatra. Il est en mesure de me donner moi 5 000. Il en avait. Puisqu'il est devenu gouverneur, je viens d'expliquer comme Kokananga. Il rentre à Kananga. John Tumba Panupa Kolo qui lui prête, ça ne donnera pas son bama ou pas moi à Bianchi. Il a vérifié à Kananga que nous à Kananga là-bas on loue. Donc il y a Batumsu sous le lot, hein. Yoko kota le lot politique, mais l'état où yozo lukasko matimu tuka le lot, il y a mataka avant. Tant où yozo somba lupamu le lot, il y a sombaka avant. Et quand tu parles des histoires de 5 000, 10 000, tu t'es renseigné d'abord sur les gens. Donc, bah, mon abis, on m'a dit Batanzala. N'est-ce pas Nisaka? C'est là, il faut l'aider. John! T'es Yoka. Yoko, mon gouverneur, on a un temps de la moutou avant que le président Fachi Azala président. Oh! Naoki banani, on n'a jamais parlé d'art. Tant que Kananga, John Azalaki na Kishasa. Si vous avez une image contraire, Kende. Aluki batomimia bafumu toto ba franca lolo ba Gédéon Kolela batonda ba communicateur mususwana biloko tout ça diboswa njumba ndakala soupe et tout dit plein aller ba communication soupe ba bura ke 5000 dollars zambongo ebele koleka non trouve ça tous les jours monsieur mata passe on trouve ça tika muyibi bobongi sa province muyibi akotika la obtenir soutien na biso te toko sala contre campagne akotika la kozwa soutien na biso te inconscient au côté que la cause soit soutien à Bisso T Funda Kende Kofunda Bonikana ba photo Yambalo Kasai Central Kananga la liste j'ai vu le nom de John Kabeya Tumba pour voter T il a détruit le Kasai Central ne votez pas ces messieurs là s'il vous plaît. Bota la passe na bino. Nana ki sa bino Kalamambouja. Bota la passe na bino. L'homme qui a freiné les travaux de Kalamambouja, c'est lui. Et al bino. Merci. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Papa Stéphane, bala mwange. Oh yeah yeah.